c'est le parc agrume, donc en fait il faut trier les billes ou les billons qui arrivent, donc soit le classement européen ABCD et les rousses. Et puis après il faut trier par rapport à la qualité du bois, donc sapin épicé A, et puis la qualité du bois pour le sillage, pour les commandes, à la scierie. Donc le choix 1, le choix 2, le choix 3, et puis on retrouve les rousses aussi. Donc là, une fois que l'ordinateur propose un schéma de coupe suivant le diamètre à la longueur de la pièce, et puis suivant la qualité, c'est découpé et ça part dans les différents box et c'est trié par diamètre. On retrouve l'essence, donc le sapin épicéa, le diamètre et puis la qualité. Pour le titulaire d'un certificat fédéral de capacité de scieur-scieuse industrie du bois, la voie s'ouvre aux études supérieures. Après un examen d'entrée, on peut suivre la formation de technicien ES industrie du bois, option production ou commerce. L'acquisition d'une maturité professionnelle ouvre les portes des formations supérieures dispensées à l'École suisse du bois. Par exemple, entreprendre la formation bachelor d'une durée de 3 ans pour obtenir le titre d'ingénieur du bois. Le perfectionnement et le recyclage ne sont pas oubliés. Des formations pour devenir spécialiste de l'industrie du bois ou contremaître sont organisées. Des cours de perfectionnement de débitage, d'affûtage, de traitement du bois et autres sont mis sur pied par l'association.